J'attends que ça démarre. Hein. Voilà, donc bonjour Anne-Laure et bonjour Emmanuel. Bonjour, Pascal Emmanuel. Voilà, je te présente Emmanuel, donc qui va travailler pour toi. Et ben, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Donc, nous t'écoutons. Très bien. Alors, déjà, j'aimerais inviter beaucoup, pas mal de monde à cette session. Mon mari, mes deux enfants, ma maman, mon papa qui est parti il y a 3 ans, enfin qui est décédé, ma famille au grand complet, c'est-à-dire mes frères et sœurs, leurs conjoints, leurs enfants, en particulier une de mes nièces qui a de sévères problèmes de peau. J'aimerais inviter des amis aussi, dont un couple qui traverse une crise. Et puis, j'ai travaillé sur mon arbre généalogique. Donc, voilà, toutes les personnes intéressées, je les invite. OK. Amis, famille, etc. Hein. On est d'accord. Ouais. Allez, OK. Très bien. Mon papa qui est parti, j'aimerais savoir si mes études et mes recherches l'ont aidé pour sortir des mailles du filet. Ou s'il a besoin d'une aide. Donc, depuis quelques mois, j'ai... Alors, attends, excuse-moi, je note un. Donc, si tes études et tes recherches l'ont aidé, hein ? Oui, à sortir de la matrice. Depuis quelques mois, j'ai une douleur à la base de la nuque sur la gauche qui me bloque... Attends, excuse-moi. Je note encore sur ton père... Voilà, donc douleur à la nuque. Oui, à la base de la nuque. Donc, regardez si mes problèmes de cystite et d'infection urinaire sont véritablement terminés. Depuis quand ça s'est arrêté? Depuis quand? Depuis oui. Que mes problèmes avec mon mari se sont résolus. Ah. OK. Ensuite, depuis l'âge de 5 ans, je fais des migraines terribles avec vomissements qui duraient 5 jours. Donc là, c'est pareil, voir si tout est rentré dans l'ordre. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et donc là, ça a disparu depuis quand ? Depuis plusieurs années, du coup. On va dire à partir du moment où j'ai arrêté de travailler à l'extérieur. Aujourd'hui, je travaille chez moi. Donc, j'ai l'impression que depuis que je ne travaille plus à l'extérieur, voilà. Bon, à vérifier. Donc, en règle générale, j'ai une bonne santé. Le médecin ne m'a pas vu beaucoup, excepté le fait de mes deux accouchements. Là, c'est ma vie et celle de mes enfants. Donc pour le premier, j'ai fait une toxémie gravidique. Ah oui. Aussitôt mon enfant. Alors j'ai eu 2 césariennes en plus. Le col ne s'ouvre pas. Fait étrange pour le premier, je n'ai absolument pas senti de douleur quand j'ai eu mes contractions. J'étais aussi zen que là. Bon, pour la deuxième, ça s'est passé différemment. Donc, pour la deuxième, j'ai fait un diabète gestationnel. Voilà. Alors, aujourd'hui, mes enfants vont très bien. C'est des belles plantes, en très bonne santé aussi. Voilà. Alors, quand ils sont nés, donc moi, je n'ai pas voulu les baptiser. Par contre, je les ai mis sous une protection. Donc, j'aimerais qu'on vérifie sous quelle protection je les ai mises et corriger éventuellement s'il y a des choses à corriger. Okay. J'aimerais... Oui, c'est bon. Voilà, alors, j'aimerais... Emmanuel, regarde pourquoi j'ai choisi ma famille.
Parce qu'on a remarqué, en fait, il y a pas mal de prénoms bibliques dans cette famille et le nombre 21 revient souvent aussi. Et puis, on me parle souvent de Marie, de Jésus qui serait à côté, enfin, qui m'accompagnerait, etc. Donc, j'aimerais qu'on regarde ben, qui, enfin, ce qui se passe à ce niveau-là. Est-ce que j'ai une. Je ne sais pas, un lien avec ce qu'on nommerait la famille de Jésus ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il me semble que depuis que je suis arrivée sur Terre, je bénéficie. Quand tu dis qu'on parle souvent de Jésus et de Marie, c'est quoi? C'est qui? C'était tes parents? De qui tu parles là? Alors, c'est au niveau des prénoms. Ah, Dans ma famille, on a des tu t'appelles prénoms. Jésus? Non, je rigole. On a Marie-Joseph. On a ben, on a des Baptistes, on a des Paul, on a des Très inspiré de la Bible, quoi. Élie, enfin voilà, plein de choses et je sais pas, enfin on m'a souvent fait la réflexion, demandé si j'avais un lien particulier avec Marie-Madeleine, Jésus. Je sais pas pourquoi on me demande ça. J'ai juste lu un livre qui racontait la vie de Jésus et ça m'a fait tilt en me disant, ouf, enfin on raconte la vie de ma famille. Donc j'aimerais qu'on regarde si c'est l'ego qui fonctionne, si c'est un fantasme ou si il y aurait quelque chose. Voilà. D'accord. On Ok. m'a parlé aussi de l'araméen. Enfin oui, je sais pas, il y a plein de choses comme ça qui sortent, donc on va Bon, vérifier. on verra ça. Ouais. Donc, comme je disais, j'ai l'impression depuis toute petite que je bénéficie d'une protection particulière parce que ma vie est plutôt belle. Et très tôt, j'ai remarqué que le monde était inégal. Donc, je faisais partie des chanceux alors que d'autres souffraient. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai toujours voulu sauver le monde. Bon, je me suis vite aperçue que ce n'était pas possible. Mais ouais, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que je me suis aperçue que j'étais pas toute seule, quoi. Hein. Enfin, moi, j'ai. Bon. Voilà. Il y a un jour, j'ai reçu une pierre sur le pied, alors que la position que j'avais, la pierre aurait dû m'écrabouiller la tête, quoi. Et c'est le pied qui a pris. Et là, j'ai jamais compris. Enfin, c'est là où j'ai commencé à mettre les mots protection. Dans ma vie, donc j'avais 12 ans à l'époque. Hein. Là, pour moi, c'était un truc miraculeux et je n'ai pas compris. Enfin, voilà. D'accord. Et il y a eu des Ensuite, conséquences de cette pierre sur ton pied? j'ai eu très mal, mais c'est tout, quoi. Alors que ça aurait pu être franchement dramatique. Donc là, à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions sur plein de choses, à chercher des réponses. À 17 ans, j'ai essayé de faire tourner les vers. Voilà. Donc avec deux groupes différents. En fait, la séance a dû être annulée à chaque fois parce que je dérangeais le vers, l'esprit. Enfin, voilà. Donc voir déjà avec qui on avait affaire et pourquoi je dérangeais à chaque fois l'esprit. Ok. Aux alentours de 25-30 ans, je travaillais dans une agence de voyage et une femme est entrée dans l'agence, je l'ai trouvée bizarre. Et du coup, en la regardant dans les yeux, c'est comme si elle m'aspirait. Donc je me suis paralysée et j'ai vu sa tête se transformer en tête de diable. Donc j'ai rompu le charme en fait en tapant sur le bureau et en partant. Et ma collègue qui a pris la suite, elle, ça l'a pas du tout dérangée. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là aussi? Ensuite, j'ai travaillé dans une centrale nucléaire. Et là, à chaque fois, j'ai vécu, je ne sais pas comment ça s'appelle, le don d'ubiquité ou alors le dédoublement de conscience. Je t'explique comment ça s'est passé. Ça se passait toujours de la même façon. Je commençais à avoir une douleur dans le bras gauche, ensuite de fortes palpitations,
un écœurement au niveau du plexus. Et puis là, poum, je me divisais en deux. Donc, je continuais à travailler, à discuter avec mes collègues. Et en même temps, je fais toujours ce geste-là. Voilà, ça se passait par là, sur la gauche. Je me retrouvais devant un groupe d'une petite dizaine d'êtres. Je les appelle les encapuchonnés. C'était des êtres assez grands, forts, costauds. Et je ne voyais pas leur visage. Ils avaient une sorte de robe de bure avec la capuche sur leur visage. Donc moi, j'avais l'impression qu'ils me regardaient sévèrement. Par contre, il n'y a pas eu d'échange ni télépathique ni verbal. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi je me suis retrouvée devant eux. Par contre, je me souviens d'une pièce très étroite, très angulaire, avec derrière une sorte de couloir et une lueur derrière eux. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'étais devant eux, j'aurais pu les nommer un par un. Et quand je me suis, alors je dis rassemblée, hein, quand je suis revenue en 3D, je l'avais sur le bout de la langue, mais impossible de me souvenir qui j'avais eu devant moi. J'ai toujours l'image de ces groupes d'encapuchonnés, mais Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qui ils étaient? Pourquoi? D'accord. Est-ce que tu as beaucoup de points encore comme ça? Parce que je ne veux pas passer une séance, tu vois, tu présentes quand même pas mal de points. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes, on a compris qu'il y a des choses qui sont exceptionnel, mais on peut pas, je sais pas, tu en as combien encore à présenter? Alors, j'en ai juste deux et j'arrête, je laisse tomber le reste. D'accord, tu me parles de ce qui est le plus important à tes yeux, d'accord? Parce que tu auras bien compris que quand on aura exploré un point ou deux déjà de ce qui t'est arrivé, tu comprendras pour le reste. Donc, on va pas s'étendre à explorer, enquêter, ça va être interminable autrement, hein. D'accord. Alors, juste une. On m'a dit que j'ai été entourée de 5 êtres de la nature. Donc, voir si c'est vrai. Et qu'est-ce que je peux faire avec eux? Pourquoi ils m'accompagnent? Voilà. Qui c'est qui t'a dit ça? Une médium. Ah. Ok. Très bien. C'est bon. Une énergéticienne travaillait sur moi et elle m'a dit « Tes guides ont besoin de ton accord pour faire je ne sais pas quoi avec toi. » Et elle me disait « Tu n'as pas le choix, je ne sais pas quoi. » Donc, j'ai accepté à moitié. Mais quand j'ai vu tes sessions, j'ai essayé de rétro-pédaler. Quoi. Donc, voilà. Voir s'il y a eu des choses malsaines de mise en place ou pas. Oui, il y a un guide qui dit que tu n'as pas le choix, à mon avis, ça doit créer un doute quand même, hein, légèrement. Donc après, j'ai travaillé par rapport à ce que tu as fait. Ok. Bon. Est-ce que c'est bon pour toi, Anne-Laure? C'est bon, arrête. Bien. Eh bien, écoute, je t'invite à couper le son et nous partons pour l'aventure. Alors, je coupe le son sur quoi? Le téléphone? Alors. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? Parfait. Alors, je te laisse augmenter. Vingt-huit mille deux cents. Parfait. Connecte-toi à moi. Et dis-moi combien tu me vois. 398. Ok, je m'aligne sur toi. Oui.
Bien, à présent, connecte-toi sur Handler et dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, ce qui vient tout de suite, c'est elle est répertoriée. Répertoriée. Oui. C'est-à-dire Je ne sais pas. Tu vas prendre l'information. Regarde d'où vient l'information et surtout ce qu'elle signifie. Et par qui elle est répertoriée. Donc, si ce n'est pas clair, je compte à 3 et ton esprit trouve tout de suite 1, 2, 3. Il y a une sorte d'immense bibliothèque et elle est répertoriée, classée et numérotée dans cette bibliothèque. Comme si elle faisait partie, comme si elle était un agent d'une opération, quelque chose comme ça. Et elle est répertoriée en tant que telle et parfaitement repérée et identifiée. Et donc, en tant que telle, suivie. Suivi, surveillé, guidé, c'est-à-dire que son chemin est quelque part tout tracé et il est surveillé simplement qu'elle suive bien les étapes du chemin. D'accord. Qui est-ce qui est sous contrôle, qui contrôle tout ça? Un groupe d'êtres desquels émane une sorte de lumière blanche. Mais c'est pas une lumière, ça ressemble à la lumière d'un néon, c'est-à-dire c'est une lumière de type artificiel, blanc, aveuglant, et qui empêche de les percevoir réellement. C'est une lumière assez froide, de type magnétique. Ok. Alors, si tu t'approches de ces êtres, comment tu les vois, toi? Par les fréquences, les SR? La forme générale est humanoïde, assez grand. Ça tournoie comme une sorte de manège. C'est comme s'ils avaient le choix de prendre telle ou telle image ou tel costume. Un petit peu, tu sais, comme les tourniquets. Dans les bureaux de tabac, il y a des tourniquets où il y a des cartes postales. Et bien, à la place des cartes postales, il y a les images qu'ils peuvent prendre. Mais la forme de base... La forme, la grille de base en quelque sorte, le modèle reste humanoïde. Et sur ce modèle de base, on peut y adapter plusieurs costumes qui apparaissent sur cette sorte de tourniquet ou de manège. D'accord. Et d'où viennent-ils ces humanoïdes? Quel est leur lieu de résidence, leur plateforme? Ils sont dans l'astral. Une zone située entre le moyen et le haut astral. Mais il y a cette lumière, type lumière de néon, qui me dérange. Et elle est porteuse aussi de cette lumière-là. Elle est éclairée elle-même par ce type de lumière. Okay. C'est une lumière froide. C'est pas quelque chose de doux, aimant et agréable. C'est plutôt une lumière blanche, froide et coupante et magnétique. Alors, que font ces êtres qui, dont tu parles qu'ils ont répertorié, choisi, numéroté, donc Handler dans une espèce de bibliothèque? Elles font partie de leurs agents infiltrés sur Terre. Il y en a plusieurs comme elle, c'est comme s'il y avait des séries. Elle fait partie d'une série d'agents, quelque chose comme ça. Donc elle est mature qu'eux-mêmes? Non, elle est une base sur le plan terrestre en 3D qui permet d'être porteuse de ce type de fréquence.
C'est-à-dire qu'elle sert d'interface, en quelque sorte, entre ces êtres-là et de leurs fréquences qui sont sur ce plan-là. Elle sert d'interface à l'entrée de leur fréquence ou au passage de leur fréquence sur le plan 3D. D'accord, et c'est quoi leur objectif? Il n'y a pas d'objectif particulier, il y a une question d'équilibre. Une question d'équilibre entre le blanc et le noir. Donc eux, c'est le blanc. C'est comme un jeu d'échecs avec les pions blancs et les pions noirs. Donc eux, ce sont les pions blancs. Et de l'autre côté, il y a les pions noirs. Et il y a un besoin d'interface de type humain en 3D qui maintiennent cet équilibre en place entre les blancs et les noirs. D'accord. Est-ce que cette incarnation en tant qu'handler a été choisie par elle? Non, elle a été téléguidée ainsi que les précédentes. D'accord. Parce Elle a qu'elle est été. elle est ce qu'on appelle un bon répondeur. Donc c'est relativement facile de la téléguider sur les chemins qui ont déjà été préétablis, prédestinés pour elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle est un bon répondeur? Elle est d'une lignée de bons répondeurs, d'une Oui. lignée génétique humaine. Et c'est quoi un bon répondeur? Quelles sont les caractéristiques de la lignée qui fait qu'elle est bonne répondeuse? Il y a une facilité d'acceptation de ce type de fréquence, c'est-à-dire que certains humains, de par leur nature ou leur génétique, rejetteraient ce type de fréquence-là, et cette lignée est elle-même l'accepte. C'est un support facile, ou en tout cas qui accepte facilement ce type de fréquence, et le passage de ce type de fréquence au travers elle. Ok, et c'est à travers donc les caractéristiques génétiques de la lignée ou il y a d'autres facteurs, comme par exemple des croyances ou des pratiques? Alors c'est principalement génétique au travers de la lignée et c'est renforcé par les croyances qui viennent comme liées, ça crée un ensemble. D'accord. Quel type de croyance? Croyance d'être du côté du bien. Mais ce qui n'est pas faux non plus. C'est-à-dire qu'on est toujours sur ces histoires de plomb, de pions, pardon, blanc et noir. Mais le mot plomb est venu à la place, et c'est pas un hasard parce qu'il y a quelque chose qui plombe, quelque chose de plombé. C'est en même temps c'est blanc. Et en même cette énergie, et en même temps, c'est magnétique et c'est lourd comme du plomb. Oui, parce que c'est dans la dualité. Oui. C'est le bien et le mal. C'est ça. Voilà. Donc on est dans un esprit de dualité. C'est ça. Tout simplement. Et tout comme le jeu d'échecs, où c'est ou, tu es soit d'un côté, soit de l'autre, donc elle est du côté des blancs, des pions blancs. Ok. Quel que soit le côté dans lequel ils sont, c'est le même jeu, quoi. Exact. Voilà. Bon. Bien. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'elle est sous leur coupe? C'est quand la toute première fois? C'est depuis plusieurs vies. Oui, la toute première. Il vient 48, le chiffre 48. 48 vies? Ouf, d'accord. Bien, on va aller voir la toute première interférence. Je veux savoir dans quelles conditions ça s'est passé. Donc je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. La toute première interférence ne s'est pas passée au cours d'une vie. Ça s'est passé en inter,
intervie. D'accord. Ça s'est passé lors de la décorporation de la physicalité. Il y a une image de chute d'une falaise, une grande peur de mourir. Et quand son essence quitte le corps physique, elle est immédiatement récupérée, rassurée et emportée, en fait, littéralement. D'accord. Et de qui s'agit-il, là ? De ces êtres-là qui l'ont classée, étiquetée et repérée, identifiée dans cette sorte de bibliothèque numérique. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait une fois qu'ils l'ont emmené avec eux ? Depuis, elle est avec eux. Elle a été ce qu'on pourrait appeler formatée à partir du moment où elle a donné le consentement pour sa protection. À partir de là, elle a été comme formatée, comme s'il avait pris des mesures de son énergie, de ses fréquences, que ça a été enregistré, étiqueté, classé, redimensionné légèrement différemment. Et depuis, ça fonctionne de façon fluide, avec descente et remontée à chaque fois dans cette sorte de lieu, là, de bibliothèque, où sont présents ces êtres. D'accord. Bon. Alors, combien est-ce qu'elle a eu de vie incarnée sur Terre, en tout ? Ce qui vient, c'est 49, c'est-à-dire que c'est à l'issue de cette première incarnation qu'elle a été captée. Et de là commence le décompte, en quelque sorte, des 48. D'accord. Et c'est une boucle parmi tant d'autres ou c'est la seule boucle ? Là, c'est la seule boucle qui apparaisse. Bien. C'est comme si elle était dans une sorte de tunnel, c'est-à-dire qu'il y a, ou s'il y a d'autres boucles, en tout cas, elles n'apparaissent pas. Et elle est dans cette boucle temporelle-là, sans avoir de moyen de comparaison. Mmh. Ok. Et quel est l'intérêt pour ces êtres de l'envoyer en incarnation comme ça ? Bon, ok, elle est un petit peu missionnée, d'avoir ce qui s'y passe, mais c'est quoi l'intérêt en fait ? Elle sert à maintenir l'équilibre de la dualité sur le plan terrestre. D'accord, ok. Donc elle sert à maintenir l'équilibre de la matrice. Exact. Ok. Donc, en cela, ce n'est ni bien ni mal. Non, non, c'est seulement une fonction. Mmh. Et qu'est-ce que ça lui coûte à elle ? C'est comme si elle passait à côté de sa propre vie. Quelque part, elle est dans cette sorte de mission, en quelque sorte, sur ce chemin-là. Mais qui lui a été présenté comme étant le sien, mais en réalité, ce n'est pas le sien. C'est comme si elle travaillait, en quelque sorte, pour ces entités-là, mais sans avoir accès à sa propre vie, à son propre destin, c'est-à-dire que toutes ses pensées, toutes ses décisions, toutes ses croyances, tout est influencé. Pour qu'elle reste dans ce cheminement-là. Et lorsque ces entités veulent maintenir l'équilibre de cette matrice, de la dualité, est-ce que c'est pour leur propre survie ? Il y a plusieurs façons de voir les choses, mais la,
La première réponse, c'est oui. Voilà. Bon. Là. Ok. Donc, reviens ici maintenant. Et oui. Voilà. J'aimerais que tu la scannes et que tu me dises ce que tu vois à l'intérieur, sur et autour d'elle. Déjà, il y a forcément des marquages pour le repérage. Hein? Oui, il y a quelque chose à l'arrière de la nuque qui agit comme un système GPS. De ce système-là, s'étire comme une sorte de voile sur sa glande pinéale et sur sa glande pituitaire. Mmh. C'est une sorte de voile brillant. C'est pas un voile opaque, c'est un voile brillant. Mais les fréquences en sont bien émises par ce dispositif-là qu'il y a derrière la nuque. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème, ça? Ça lui montre, ou ça la maintient plus exactement, dans un type de perception, dans la perception du chemin qu'elle doit suivre, comme étant la seule voie possible. Comme un GPS t'indique et insiste lourdement sur la route que tu dois prendre. Mmh. Donc, tant que tu te tiens sur cette route, tout va bien. C'est un système de guidage. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? Il y a quelque chose aussi en arrière, alors derrière sa nuque, ça clignote. C'est un système de correction du guidage qui vient renforcer. C'est comme si le système initial avait perdu de sa puissance ou qu'elle arrive à passer par-dessus en partie. Donc, il y a une sorte de système de renforcement qui est mis en place. Elle porte aussi la dualité à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle-même qui suit ce système de guidage et une autre partie d'elle-même qui est en rébellion contre ce système-là. Sa partie subliminale est en alerte et envoie régulièrement des alertes à la partie physique. Cela crée comme des bugs, des remises à jour, des bouleversements internes. Ça crée comme des tremblements de terre, voire même des tsunamis à l'intérieur de son espace énergétique. Ça crépite, ça crée des basculements et des changements de ligne de temps. Donc, sans arrêt, elle est en... tu vois les lignes de chemin de fer? Oui. Les aiguillages? Les aiguillages, ça. Voilà. Mmh. Pas sans arrêt, mais régulièrement, elle est dans une phase d'aiguillage où elle passe tantôt sur une ligne, tantôt sur une autre. Mmh. Et ça crée des tensions à l'intérieur d'elle-même, des zones de déconnexion, des zones de blanc, comme des pertes de mémoire, ou comme si elle se dissociait elle-même. Elle n'est jamais entièrement dans une des lignes, c'est-à-dire qu'elle est sur plusieurs lignes en même temps. Plusieurs lignes sont toujours devant elle, plusieurs lignes de temps, et elle met un petit peu d'énergie dans chacune d'entre elles, mais sans jamais réellement se décider à mettre toute son énergie dans une des lignes. Ou quand elle le fait,
C'est sur une période de temps pour ensuite se retirer et tester une autre ligne de temps. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie physique pendant que tout ça se passe? Comment ça se traduit physiquement? Ça se traduit par des coupures brusques, par des changements inopinés, incompris, par des sensations de portes qui s'ouvrent, des sensations de blackout, de remise à zéro, et sans comprendre ce qu'il en est. C'est comme un système d'aimant. C'est comme si tantôt elle était attirée par un aimant et tantôt attirée par l'aimant contraire. C'est ce qui s'est passé lorsque elle était en rupture avec son mari ou son compagnon. Oui, il y a eu un changement de ligne de temps provoqué par... sa partie subliminale qui elle-même reçoit les informations du soi supérieur. Et pourquoi la partie subliminale a voulu provoquer cette rupture? Pour reprendre le contrôle, pour reprendre le pouvoir, pour maintenir la ligne, pour revenir plus exactement, ou pour revenir sur la ligne de temps initiale. Et il fallait pour ça qu'il y ait une rupture avec son compagnon? Non, la rupture avec le compagnon était sur la ligne biaisée, en quelque sorte, sur la ligne parallèle. Donc, lorsqu'ils se sont retrouvés, en fait, c'était un rétablissement, on va dire, d'un certain ordre? Exact. D'accord. Ok. Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, tout le contrôle se fait au niveau de ses perceptions, qu'elles soient sensorielles ou extrasensorielles. Ok. On va aller voir avant la toute première entrée dans cette matrice. J'aimerais savoir d'où elle vient et sous quelle forme. Donc je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. C'est une sorte d'énergie planante. Un petit peu comme un oiseau qui plane au-dessus. Dans l'état où elle se trouve là, il n'y a pas de polarité. Ni masculine ni féminine, il n'y a pas de dualité non plus. Elle est en dehors de la matrice artificielle. D'accord. Elle est en dehors du plan archiavélique. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait à planer comme ça? Ça remplit une fonction? C'est quoi sa signature énergétique? Il n'y a pas de forme précise, il y a simplement son énergie planante, des couleurs. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et plus. C'est-à-dire que je les perçois, mais sans arriver à les nommer. Oui, les inconnus, quoi. Oui, ça va au-delà de ce que l'œil humain perçoit. Elle est en septième dimension. Très bien. Mais elle n'est pas dans l'espace terrestre ni dans la matrice artificielle. Elle est au-delà. Elle est au-delà de... Elle est au-delà de notre univers. C'est comme s'il y avait une plaque transparente, une plaque de verre ou de plexiglas entre notre univers et le lieu où elle se trouve, si on peut parler de lieu. Et elle plane au-dessus, c'est comme si elle planait au-dessus de cette plaque de verre à travers laquelle elle aperçoit notre univers. D'accord. Et elle a une fonction particulière au sein de cet univers, au sein de cette,
cet espace? Non, elle est simplement en observation tranquille, mandatée dans cette forme-là, parce que même s'il n'y a pas de forme précise, ces fréquences sont manifestées, je les perçois en tout cas en termes de couleur, mandatées par le soi supérieur en observation de notre univers. Ok, alors avant ce moment... Elle est dans une sorte d'inter-univers, en observation d'une autre. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est approchée de notre fausse matrice et qu'elle s'y soit introduite? Est-ce que ça a été un choix ou autre chose? Oui, c'est un choix d'expérimentation du soi supérieur. Et cette phase d'observation est comme pour décider d'une stratégie. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si tu t'apprêtais à jouer à un jeu d'échecs et qu'avant de commencer une partie toi-même, tu observes des parties qui sont en train de se jouer par d'autres joueurs. Tu observes les tactiques, tu observes la façon dont ça se passe et tu restes là un long moment avant de te décider à rentrer toi-même dans le jeu et à commencer une partie. Dans son observation, est-ce qu'elle avait pu distinguer ces jeux de dualité? Oui. Et les systèmes de prédation? Oui, elle en était consciente, mais elle avait élaboré des stratégies pour ne pas être prédatée. L'objectif étant d'expérimenter sans être prédatée. Ok, ce qui n'a pas fonctionné. Non. C'était quoi la stratégie qu'elle avait élaborée? De rester observatrice et de ne pas s'impliquer émotionnellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle s'est introduite dans cette fausse matrice? Comment est-ce que les choses ont mal tourné pour elle? Elle a été attirée par la force, la puissance des émotions humaines et elle a eu envie de les expérimenter. Et à partir de là, elle s'est retrouvée comme aspirée. Bien. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Ça s'est fait... la prédation s'est fait donc après, lors de la décorporation de la première vie humaine, le sentiment de peur, et c'est tout un tas d'émotions mélangées sont montées et elle est comme rentrée dedans, elle s'est fait aspirer par ce nuage d'émotions, bouclée, enfermée par la peur. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été prédatée. D'accord. Alors, si on revient sur cette vie humaine, cette première vie humaine, ce qui a précédé sa décorporation, c'est-à-dire cette chute de cette falaise, qu'est-ce qui a provoqué cette chute de cette falaise? Est-ce que c'est elle-même ou il y a eu quelque chose d'autre? La chute a été provoquée pour créer l'événement de cette chute dans ce bain d'émotions qu'elle n'a pas pu contrôler en quelque sorte. Elle s'est laissée happer par ses émotions. Je veux dire par là que les émotions ne sont pas négatives en tant que telles. C'est simplement qu'elle s'est laissée aspirer sans pouvoir y résister, sans pouvoir les surmonter. Et le tout a été verrouillé par une peur intense. Elle avait été repérée par ce type d'entité par lesquelles elle a été prédatée comme étant intéressante de par son type d'énergie vierge. Vierge de toute prédation précédente.
Et en cela, c'est un terrain vierge, un terrain neutre, en quelque sorte. Et elle a été attirée, il y a eu des conditions, ce qui vient, c'est des conditions atmosphériques de mauvais temps, de brouillard, qui l'ont fait se diriger un peu à l'aveuglette et est tombée. D'accord, c'était un homme ou une femme? Une femme. Avec quel âge? 15 ans. Et c'est dans quel pays d'aujourd'hui? Ce qui vient, c'est la Turquie. D'accord. Ce qui correspond à cette zone géographique-là. Et on est en quelle année à peu près? Je ne sais pas, il n'y a pas de chiffres qui viennent. Bon, c'est pas important. Il y a simplement l'image avec cette solitude, ce brouillard, ce mauvais temps. Il y a des falaises. Enfin, le paysage est abrupt. C'est comme s'il y avait des. Pas des falaises, mais comme des précipices ou des choses comme ça. C'est comme si elle était tombée dans un trou. En tout cas, la chute a été haute. Une chute de plusieurs mètres. D'accord. Ok. Bon, tu reviens ici maintenant? Oui. Alors, est-ce qu'au niveau des dispositifs, tu en as fait à l'inventaire ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu n'as pas vues? Regarde. Mais même si c'est le cas, ça disparaîtra quand même. Mais... C'est tout ce qui apparaît là. Bien. Alors, regarde son ADN. Dis-moi combien est-ce que tu vois d'hélices dans son ADN. 2. Est-ce que l'ADN est entièrement le sien? Oui, c'est le sien. Bien. Qu'est-ce qui fait que dans cette incarnation, elle soit dans cette lignée familiale? Est-ce que c'est elle qui l'a choisie? Bon, on a vu qu'elle a des caractéristiques particulières qui facilitent leur projet. Est-ce que c'est elle qui a choisi cette famille ou pas? Non, elle a été placée dans ce type de lignée. D'accord, hein, avec les caractéristiques qu'on a vues tout à l'heure. Oui. Parfait. Alors, identifie-la, regarde bien si c'est bien son ADN, si c'est bien elle. Oui. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. C'est Cappadoce, la Cappadoce. Ah, la Cappadoce, ok. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette séance. Oui. Bien. Alors, puisque nous avons sa permission... qui nous cède son pouvoir le temps de cette session, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elles jusqu'au plan archaïque. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et tout le monde t'est apparent. 1, 2, 3. Immédiatement, il y a ces êtres-là qui apparaissent. Ok. Et ensuite? C'est chasse gardée. Elle est au centre d'une sorte de pentacle. Ah. Elle est au centre d'une étoile à 5 branches. Et aux extrémités des 5 branches se tient un de ces êtres. C'est quoi ce pentacle? Qui est-ce qui l'a créé, ce pentacle? Ce sont ces êtres qui l'ont créé. De par leur positionnement autour d'elle. Ils se sont positionnés autour d'elle pour que, dans l'onde de forme, elle en soit au centre. Et c'est ce qui la maintient aussi sous leur contrôle. D'accord. Ok. Alors, qui vois-tu d'autre, même s'ils ont l'exclusivité, jusqu'au plan archaïque? Il y a les présences qui gèrent l'espace terrestre. Démoniaques. Et qui remontent, c'est ça. Ah oui, elles sont de type démoniaque. Ça remonte jusqu'au plan archontique. Ok. Bien.
Alors elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les états de conscience, dans tous les pays et replis des espaces-temps et tout ce qui est inconnu. Donc elle ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique. Tous les dispositifs vus et pas vus, tout ce qui n'appartient pas à ses corps et énergies originelles, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. On la met dans une bulle de protection christique. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Elle en aspire substance, énergie, vitalité. Oui. Et se connecte à son essence, fait descendre information, énergie, conscience, amour, puissance. Oui. Oui. Et de son chakra cardiaque, elle s'envoie de l'amour dans toutes les parties d'elle pour réunifier ce qui doit l'être, guérir, etc. Réparer ce qui peut l'être. Oui, c'est fait. Comment la vois-tu à présent ? C'est comme si elle était dans une... C'est comme si elle était réfugiée, en quelque sorte, dans une ligne de temps parallèle. Bien. Alors maintenant, tu vas la scanner sur tous les plans, à l'intérieur, sur et autour d'elle, et dis-moi si tu vois quelque chose qui reste. Non, il n'y a plus rien. Bien. Est-ce que ce fameux pentacle est encore présent quelque part ? Non. Bien. Ok. Alors, on va aller voir maintenant son soi supérieur. Je veux savoir où il réside, dans quel état. Il est sur le plan morontiel. Bien. Comment est-ce qu'il voit la situation ? Il observe la partie d'échec. Très bien. Comment tu vois son âme ? C'est comme si elle était liée, qu'elle n'ait pas droit à la parole. Elle est là, sur le côté, immobile. Ok. Et sa partie subliminale ? Elle dépense énormément d'énergie. Elle se déplace autour de la partie physique, sans arrêt. Elle est sans arrêt en déplacement. Bien. Alors, ces déplacements, je suppose que c'est dans la tentative de la réveiller, c'est ça ? Oui. Hein ? De l'informer. Ok. Alors, demande à son soi supérieur s'il est adéquat de partir directement du plan morontiel pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer une incarnation à neuf avec l'accès à sa vraie identité et à tout son potentiel. Oui. Bien, alors on y va tout de suite. Je compte à 3. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose donc de descendre directement à l'orée de cette incarnation en tant que Handler pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer cette incarnation à neuf, la réinitialiser avec l'accès à tout son potentiel. Est-ce qu'elle est OK avec ça ? Oui. Alors, on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition matricielle. 1, 2, 3. Oui. Bien, demande-lui maintenant quels sont ses projets pour cette existence, par ces nouvelles conditions et cette nouvelle ligne de temps. Avoir ses pleins pouvoirs, pouvoir exprimer ses pleins pouvoirs. Alors, état originel, c'est-à-dire ne plus être sous une quelconque influence, être libre. Très bien.
À quel moment est-ce qu'elle choisit d'entrer dans son corps physique, dans tous ses corps? Juste après la conception. Elle est connectée à quel pourcentage à son naissance? 96%. Bien. Proposez de monter à 100%? Oui. De se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle va programmer uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, elle va regarder son arbre généalogique et décider de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut le couper partiellement, entièrement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 90%. Et le reste, elle réaménage, elle réinforme. Très bien. Maintenant, au niveau de son ADN, qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut le refaire à neuf ou partiellement, ou réinformer, réaménager, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien avec les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, maintenant, elle va refaire son ADN à neuf avec l'arbre de création suivant la meilleure version en fonction de ses objectifs pour cette incarnation. Oui. Parfait. Combien est-ce que tu vois d'hélices? 2. Est-ce qu'il est nécessaire d'en connecter d'autres? Non, c'est correct comme ceci. D'accord. Est-il nécessaire d'installer de nouveaux programmes? Il y a des programmes, tous les programmes nécessaires se sont préinstallés et sont activés. Parfait. Donc nous allons regarder au niveau des programmes archontiques, les programmes de limitation, de dualité, de séparation, etc. Et tout ce qui induit des croyances dysfonctionnelles. Oui. Tu les vois? Oui. C'est adéquat de les éliminer? Oui. Alors allons-y. Donc on les élimine partout où elles se trouvent. Je compte à 3. 1, 2, 3, comme précité. C'est fait. Parfait. Elle les remplace par ses propres programmations pour ne pas laisser de vide. Oui. Elle va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à combien est-ce qu'elle est connectée à son naissance à ce moment-là? 78%. Parfait. Elle remonte à 100% et vérifie ses racines. Oui. Bien. Maintenant, elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement. Elle vient au monde. Oui. Voilà. À présent, elle va remonter toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, avec le rappel de qui elle est, de ses objectifs, de sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa puissance intérieure et sa créativité illimitée. Oui. Bon. Elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps, d'autant de faisceaux d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Elle la boucle et la sécurise. Oui. Parfait. Maintenant, nous allons éliminer l'ancienne ligne de temps, avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents et des futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire et empreintes, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Parfait. Oui. Parfait. Le temps de démarrer l'enregistrement. Bien, alors je vais inviter Anne-Laure à être pleinement présente et participative de tout le processus, tout ce qui est dit, tout ce qui est proposé. Donc bien vivre, ressentir, acquiescer, etc. à tout ce qui se passe. Et j'invite évidemment, comme d'habitude, hein, tous les auditeurs à faire le travail pour soi, comme si c'était pour soi-même. Hein. Il suffit d'une décision et de s'investir. Voilà. Bien, alors rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement,
vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, promesses, alliances, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Rompre, effacer avec racines et systèmes reproducteurs toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Effacer toutes les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. À présent, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Très bien, on intègre tout ça dans tous les états de conscience. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source, et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Handler, tout y est proposé. Elle déclare. Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le « je » n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Elle déclare « Je possède une force innée
qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé et de succès. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de quoi ou de qui que ce soit, je contrôle, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis co-créatrice de mon existence, de toutes mes bulles de création, que j'en ai le pouvoir et la responsabilité. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre. Oui. Et que j'entends la reprendre pleinement en main. Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Et je n'ai plus besoin de personne pour me protéger. Oui. Je suis ma propre protection. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elles ne conservent que ce qui est juste et bon pour elles. Et nous éliminons le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Maintenant, tu vas la scanner et regarder s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques. Non, il n'y en a pas. Bien. Elle va entrer dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan physique, biologique, et jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. C'est son corps de forme humaine. Donc, tu as anticipé, là, tu me parles de son élémental ? Oui. Ah, ça s'est fait tout de suite. Je te pose la question. Mais je ne sais pas, c'est venu tout de suite. Oui, ne t'inquiète pas. Bien. Donc, une forme humaine, et est-ce que tu es allée en attente de connexion ou Oui, parce que cette forme humaine, elle est en train de flotter et il faut qu'elle établisse les connexions, qu'elle se rattache en quelque sorte. Aux intersections, aux points de connexion de la fleur de vie et de la graine de vie. Bien, c'est le moment pour elle ? Oui. Alors qu'elle le fasse. C'est fait. Bien, elle va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, nettoyages, guérisons, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, ses systèmes, fonctions, ses organes. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui.
L'électron mère à l'électron primordial. Ah oui. Le proton mère au proton primordial. Ah oui. Le neutron mère au neutron primordial. Ah oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Ah oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Ah oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Ah oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer le programme de protection anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Le programme contre les influences de la conscience collective et le corps diamantin. Oui. Un programme contre les influences lunaires et ses mouvements. Oui. Programme contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour du corps. Oui. Un programme contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle. C'est fait. Et enfin, le programme de prévention contre le fameux vaccin, adapté à toutes les versions possibles. Oui. Parfait. On programme tous ces programmes pour être stables et indestructibles. Oui. Nous les programmons également pour être adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui. Parfait. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. C'est fait. Installation et activation de la fleur de vie, la graine de vie et du double lemniscate. Oui. Elle va créer et activer son code de vie. C'est bon. Bien. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3, de chacune des parties. Oui. Je veux que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité. Oui. Et connecté à son essence pour recevoir information, énergie, conscience, puissance et amour. Oui. À toi de jouer. Elle déploie un espace sécurisé. C'est comme une boule. Elle vient se placer au centre, à l'intérieur. Là, elle déplace délicatement son atlas. Ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser chacune d'entre elles, réinformer chacune d'entre elles, les relier les unes aux autres et relier chacune d'elles à chaque organe et système auquel elles dépendent. Cette onde descend tout le long de la colonne, augmente en puissance et arrivée au coccyx. Elle vient littéralement pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches épaisses de mémoire compressée et de traumatisme. Et là seulement, elle se calme, elle s'équilibre et se régularise. C'est bon. Bien. Alors, elle va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Maintenant, je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global. Et ensuite,
dans l'ensemble des systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Que chacun des systèmes, donc, on va, et je vais d'abord éliminer toute trace, mémoire, etc. sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Je veux que chacun des systèmes soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Et que chacun soit refait à neuf, donc son élémental va procéder par annuler en place. Et refait à neuf, donc avec le gabarit de l'arbre de création, suivant la version originelle. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et tissus spécialisés. Oui. Le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Pour les systèmes extrasensoriels, protection et sécurisation de chacun des canaux. Et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire et le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Les cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale, au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason qui émet plusieurs fréquences. Elle vient y accorder chacun des systèmes et organes de son corps. Ça crée des micro-mouvements dans tout son corps, au niveau de ses organes, systèmes, muscles, tendons. Ça libère des tensions et ça vient recréer de nouveaux équilibres dans tout le corps. C'est bon. Micro-kiné. Elle active les points de concordance et ça vient déployer ses corps subtils en harmonie. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale toujours immédiatement disponible. C'est bon. Le système des chakras avec les glandes associées. Je veux que chacun des chakras soit connecté à son cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu ? 7 activés. C'est bon. Bien. Maintenant, nous allons travailler sur l'équilibre féminin sacré et masculin sacré. Pour cela, elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation
du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminée d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Maintenant, elle équilibre les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien. Pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Oui. Donc, on va commencer par inviter ce qu'elle a nommé, c'est-à-dire son mari. Oui. Ses deux enfants. Oui. Sa maman. Oui. Ses frères et sœurs, leurs conjoints et leurs enfants. Oui. Les amis auxquels elle pensait. Oui. La famille en général, vient qui veut. Oui. Voilà, elle leur présente le travail qu'elle est en train de faire et leur propose de profiter de cette opportunité. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est là? Oui, oui, il y a un intérêt global, il y a un afflux de conscience qui arrive. Beaucoup sont venus de la famille en général? Oui, il y a tout un groupe de conscience qui sont là, présents. Bien. Alors, avant de commencer, puisqu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils acceptent chacun un petit coup de pouce? Oui. Bien, puisque chacun me donne son consentement, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux, jusqu'au plan rachiavélique. On va éliminer tous les implants, tout ce qui n'appartient pas au corps et énergie d'origine de chacun, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour chacun, nous rompons tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, dans toutes les bulles de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps, et dans tout ce qui est connu et inconnu. Je compte à 3 et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Chacun se met dans une bulle christique et se crée des racines, programmées uniquement pour cette existence. Se connecte à son essence, travaille sur l'arbre généalogique et sur son ADN, au regard de ce qu'a fait donc Anne-Laure jusqu'à maintenant, et adapté bien sûr à sa propre situation. Oui. Ils vont continuer bien sûr sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. C'est bon. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bon, très bien. Maintenant nous allons regarder son papa qui a quitté ce monde. Dis-moi, oui. Comment tu le vois et où il se trouve? Il est dans une sorte de... Alors, il est dans l'astral. Et il est sur une sorte de chemin avec comme des étapes à franchir. Des étapes numérotées. Est-ce que tu vois qu'il est en difficulté, qu'il a besoin d'aide? Il se pose beaucoup de questions. Bien. Demande-lui s'il veut un petit coup de pouce. Oui. Bien. Alors, puisqu'il accepte un petit coup de pouce, on va le connecter à son essence. Je veux savoir ce qui se passe. On fait des centres d'information, énergie, conscience et puissance. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Ça le fait s'élever, c'est-à-dire que c'est comme s'il était dans une sorte de corridor chiffré. Là, il s'élève au-dessus. Il en perçoit l'illusion. Bien. C'est l'illusion d'une création. Donc il a les réponses à ses questions maintenant? Oui. Bien, qu'est-ce qu'il décide de faire? Est-ce qu'il veut remonter directement à sa source ou est-ce qu'il veut continuer à pérégriner au sein de cette matrice sur d'autres plans? Il veut monter. Bien. Alors il y a une condition pour cela. C'est que pour qu'il puisse pleinement profiter de là où il va partir maintenant, c'est de récupérer toutes ses énergies sur Terre, dans tout ce qui est animé et inanimé. Il n'en laisse rien. Oui. Et avant qu'il s'en aille, je vais lui poser une question,
puisque donc Anne-Laure aimerait savoir si les études qu'elle a faites, les recherches, l'ont aidé à sortir de la matrice. Bah, visiblement non, hein. Mais est-ce que moi ça l'a aidé de quelque manière que ce soit? Ça a posé des sortes de jalons dont certains se sont avérés être des marches et d'autres des pièges et des illusions. D'accord. Donc c'est moitié-moitié. C'est par rapport au système de croyance, c'est ça? Oui. Bien, ok. Bon, peu importe, ça fait partie de l'histoire. Chacun en tire des conclusions et des apprentissages. Est-ce qu'il a quelque chose à dire à sa fille avant de monter? Enfin, celle qui a été sa fille. Alors, il n'est pas du tout dans la même perspective qu'elle. C'est comme s'il la regardait d'une perspective beaucoup plus large. Il la remercie pour ses efforts et ses démarches. Et il l'invite à s'élever, à prendre une perspective plus large, plus haute, et qui est aussi plus légère. Il l'invite à ne pas se laisser enfermer dans ce qu'elle pourrait penser être des obligations ou des chemins tout tracés. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger, c'est ce qu'il est en train de lui montrer. Est-ce que c'est bon? Oui. Bien. Alors maintenant, il va pouvoir remonter, ou par palier, ou directement, comme une étoile filante, à sa source. Et nous le saluons. C'est bon. Bien. Alors, on en revient à Handler. Elle a des douleurs à la base de la nuque. Regarde d'où ça vient. C'est le système de renforcement qui a été posé là, à cet endroit-là. D'accord. Est-ce qu'il en reste quelque chose ici et maintenant? Non. Bien. Est-ce qu'il reste des traces, mémoire et empreintes, programmation ou autre, traumatisme? Mémoire, empreinte et traumatisme. On élimine partout où ça se trouve, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. On va donc réinformer chacune des parties et l'ensemble et stabiliser. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. C'est fait. Et on stabilise également. Oui. Bien. Donc, elle a eu des cystites et infections urinaires qui se sont arrêtées. Depuis, apparemment, ses retrouvailles avec son mari. Regarde si c'est lié à ça ou s'il s'est passé autre chose. C'est le réalignement qui s'est effectué grâce à l'impulsion de sa partie subliminale. D'accord. Ok. Donc là, tu vois que dans tout son système urinaire, rénal, etc., c'est stable. Est rétabli. Mm-hmm. C'est stable, hein? D'accord. Elle a des migraines et des vomissements qui ont disparu également, qu'elle avait depuis toute petite. Voilà. Donc elle dit que c'est depuis qu'elle travaille chez elle. Est-ce que ça a un lien ou il y a d'autres facteurs? Par rapport à ces migraines, il y a quelque chose comme une sorte de surtension d'un point de vue magnétique qui était trop lourd à supporter. Un poids magnétique trop lourd à supporter par la partie physique. Le fait d'être de pouvoir se recentrer sur elle-même, ça lui a permis de concentrer son énergie vitale, de se recentrer sur elle-même et de pouvoir se libérer de cette surtension. Très bien. Alors, est-ce que tu vois que tout son système qui est concerné, tous les systèmes, est-ce qu'il y a encore des traces mémoire et empreintes? Est-ce qu'il y a traumatisme, habitude ou autre? Il reste des mémoires et des traumatismes. Ok, alors on élimine tout ça. 1, 2, 3, sur tous les plans comme précité. C'est fait. Elle réinforme et stabilise. Oui. Connecté au cardiaque, cœur de Yaya et essence. Oui. Stabilise également. C'est
c'est bon. Bien. Donc, dans son premier accouchement, elle a subi une toxémie gravidique. Donc, voilà, et elle a constaté aucune douleur lors des contractions. À quoi c'était dû tout ça? C'est comme si tout avait été dirigé, planifié sur cette ligne de temps parallèle de type magnétique. Il y a une déconnexion de l'élémental de son corps. C'est pour ça qu'elle n'a pas ressenti les douleurs. C'est comme si elle avait été à côté de son corps. Qui est-ce qui a provoqué la déconnexion? Les êtres qui tentent de diriger son destin, sa ligne de vie. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors, leur objectif était de la garder pour eux. Il y avait ce désir qu'elle n'ait pas d'autre centre d'intérêt, qu'elle soit uniquement pour eux. Il ne fallait pas qu'elle ait de descendance, il y a quelque chose lié à ça. Mais à chaque fois, il y a eu réaction avec les informations qui venaient du soi supérieur, avec les impulsions envoyées par la partie subliminale. Que tout se passe bien malgré tout et de passer par-dessus malgré tout. Bien. Ok. Donc du coup, son soi supérieur a réussi à faire venir au monde ses enfants. Oui. À contrario des objectifs de ces entités. Oui. L'objectif était que ça ne parvienne pas jusqu'au bout, jusqu'à terme, ce qui aurait généré des basses fréquences, de la souffrance et un attachement encore plus grand, quelque chose comme la lier définitivement à eux. Donc, si je comprends bien, elle est plus protégée par son sens supérieur que par ses entités. Oui. C'est important qu'elle le réalise. Bon, très bien. Est-ce que les enfants ont des traumatismes aujourd'hui par rapport à ces événements? Non, ils ont été protégés par l'amour maternel. Très bien. Parfait. Elle a créé une bulle d'amour. À chaque fois. C'est important qu'elle le sache. Parfait. Alors donc, elle dit qu'elle ne les a pas baptisés, mais elle y a créé une protection. Regarde qu'est-ce qui s'est passé et quel a été l'effet de ce qu'elle nomme la protection. Alors, ce qu'elle a fait par la suite, c'est l'extension et le renforcement de cette première bulle d'amour qu'elle avait créée. Quand il se trouvait dans son corps. Bien. Cette bulle d'amour s'est dissipée au fil du temps, parce qu'elle n'était pas autant nécessaire. Mmh. Oui, l'important, c'est qu'ils trouvent eux-mêmes leur amour. Oui. Ne pas être dépendant de l'amour de l'autre. C'est ça. Bien. Ok. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Parfait. Alors, elle se demande pourquoi elle a choisi sa famille, donc on sait pourquoi maintenant. Qu'est-ce qui fait que dans sa famille, il y a plein de prénoms bibliques? On a les réponses, mais bon. C'est pour rattacher la lignée à un égrégore. D'accord, hein, des croyances. Donc, quand on parle souvent de Marie, de Jésus, de Joseph, etc., c'est par rapport à l'attachement à l'égrégore, c'est oui. ça? Hein? Oui. On active les croyances et on crée des attachements. Oui. Et ça donne des valorisations, je suppose, ou des effets psychologiques qui permettent l'attachement. Ça maintient fixée la polarité. La croyance sert à la stabilité de la polarité, mais dans le sens qui intéresse les entités qui, euh, qui,
qui sont à l'origine de ce système. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qui fait que le nombre 21 revient fréquemment dans la lignée ? Ça fait partie des combinaisons, des clés de cette bibliothèque dans laquelle elle est consignée. C'est comme une carte d'identité. D'accord. Donc le mieux, ce serait de couper avec ce nombre alors ? Oui. Ok. Elle peut le faire maintenant ? Oui. Alors elle coupe tout et elle dissout les racines. C'est fait. Bien. Donc on ne va pas revenir sur les personnes qui lui demandent si elle est apparentée à Jésus-Marie-Joseph, hein, Marie-Madeleine, etc. Elle a bien compris tout ça, c'est les systèmes matriciels. Tu confirmes ? Oui, c'est la même chose. Voilà, et que les gens sont manipulés pour l'amener dans cette énergie. Elle porte en elle la signature de l'égrégore, qui est reconnue, donc d'où ces interpellations et cette reconnaissance, entre guillemets. C'est la reconnaissance de la signature de l'égrégore. Et c'est destiné à renforcer ses convictions, c'est ça ? Exact. Et peut-être créer une valorisation sur une apparenté éventuelle ? En bénéfice secondaire, oui. Ouais, ok. Bon, bah écoute, je pense que Anne-Laure a bien compris hein, tous ces mécanismes. donc, quand elle dit qu'elle bénéficie d'une protection particulière, voilà. C'est faux. Donc, c'est faux, mais enfin pas. C'est une illusion. Alors, c'est faux, oui, et non. C'est-à-dire que c'est la protection qui est en fait comme une sorte de couvercle, comme on protège ce qui nous appartient. On protège et on met sous clé ce qui nous appartient pour ne pas que ce soit détérioré parce que ça nous sert. Donc ça, c'est l'identité. Oui, mais ce n'est pas une protection par rapport à elle-même. Sa seule protection véritable, c'est celle de son essence divine. C'est celle qui vient en ligne directe de son soi supérieur. Très bien. Et la preuve des différentes interventions qui ont eu lieu pour la dégager de situation. Oui. Bien. Alors, un jour, elle a reçu une pierre sur son pied, et alors qu'elle aurait dû l'avoir sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Elle est manipulée comme un jouet. C'est-à-dire que dans les terres, il y a des combats, qu'on pourrait appeler des combats spirituels, qui se jouent par l'intermédiaire des humains. Donc, il y a eu protection. Alors, je vais schématiser encore par rapport au jeu d'échecs avec les blancs et les noirs. Il y a eu attaque des noirs et protection par les blancs, mais pour protéger leur émissaire, en quelque sorte, ou leur pierre angulaire, ou leur point de stabilité, leur interface sur le plan terrestre en 3D. Oui, c'est pour protéger leurs jouets, quoi. C'est ça. Ah, bon, c'est pas de la bienveillance envers elle. Non. Bon, ben je pense qu'elle l'a compris. Ok. Donc, à 17 ans, elle a essayé de faire tourner des verres, hein, enfin, bon, genre spiritisme, je suppose. Hein, et elle sentait qu'elle dérangeait. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Elle aurait pu renverser le plateau de jeu. Parce que sa puissance divine est beaucoup plus grande que toutes ces illusions de dualité. Donc, elle est en réalité beaucoup plus puissante que toutes ces entités. Et dans ce type d'action, ce sont ces entités-là qui se manifestent. Donc, quand elles rencontrent, s'il y a possibilité de percevoir leurs failles, et quand elles perçoivent plus puissant qu'elles, elles arrêtent le jeu. Elles refusent la partie. Mmh.
Bien. Alors, lorsqu'elle avait 25-30 ans, elle travaillait dans une agence de voyage. Et donc, il y a eu une femme qui la regardait dans les yeux par lesquels elle s'est sentie aspirée. Et elle y a vu une forme, on va dire, diabolique. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était en quelque sorte son homologue, mais de l'autre côté de la dualité. D'accord. C'est-à-dire, si on peut exprimer les choses ainsi, elle, l'agent des forces blanches, elle a rencontré l'agent, son homologue des forces noires. Et c'était dans quel but cette rencontre? Confrontation. C'est toujours vu sous l'aspect du jeu. Qui va gagner? On met face à face deux humains, comme des combats de coqs, tu sais, où on les regarde se battre. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, autre point, donc dans cette fameuse centrale nucléaire où elle travaillait, elle a eu cette douleur au bras gauche, etc. Elle s'est trouvée divisée en deux et se trouvant devant un groupe encapuchonné. Voilà. Il n'y avait pas de communication. De qui s'agissait-il? Même si j'en ai une idée. De ces êtres-là, de ces De ces entités-là, toujours les êtres-là. mêmes, oui. D'accord, ok. Donc elle dit qu'elle aurait pu les nommer un par un, ça veut dire qu'elle les a reconnus, c'est ça? Dans cet Oui. état de conscience modifié. Oui. Même si elle a oublié après. Oui, parce qu'il y a des cloisonnements entre les différents états de conscience. Bien sûr. Alors autre chose, donc une médium lui aurait dit qu'elle serait entourée de cinq êtres de la nature. Voilà. Alors, Non, là. ce sont ces êtres-là, ils sont cinq, toujours autour d'elle, pour établir l'onde de forme du pentacle. Le pentacle, là. D'accord, ok. Bien. Voilà, et une énergéticienne lui a dit que ses guides auraient besoin de son accord et qu'elle n'a pas le choix. Donc, bon, on revient toujours au même, hein, je suppose. Ce sont C'est toujours les éloquent. mêmes Voilà. qui réclament plus de pouvoir. Et oui, et de consentement. C'est ça, mais il faut son consentement. Bon, de toute façon, elle a retiré tous ses consentements, on est bien d'accord. Oui. Il n'y a plus rien, elle est libre. Mais il n'y a plus rien. Très bien. Alors, c'est la fin de sa liste. On va regarder ses noms et prénoms et nous allons couper tous les liens reliés au système matriciel, tout ce qui est limitant. On coupe les liens et on dissout les racines. 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant, regarde s'il y a des liens toxiques, quels qu'ils soient. Oui, il y en a. Alors, on coupe et dissout également, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. À présent, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang comme dans les dons du sang ou des prélèvements, etc. Des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. Oui. De son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies, où qu'elles soient. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lémniscate. Activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. C'est fait. Programmer la permanence et l'équilibrage de ces processus. Oui. Rajeunissement et régénération. Elle active la particule divine dans son cœur. Oui. Elle active les fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement.
Oui. Elle programme et informe la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Elle va programmer la permanence et l'équilibrage de ce processus. D'abord, connecter la cellule mère à son chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui, c'est fait. Bien. Guérison instantanée. Elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Pour toutes les parties qu'il nécessite, elle fait descendre information, énergie et code jusque dans les parties concernées. Oui. Elle installe et active dans les deux sens l'arbre de création. Oui. Installation et activation. Donc, de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate. Oui. Elle crée son baume de vie, régénérant et s'enduit comme il se doit. Oui. Elle le programme pour être permanent et équilibré. C'est fait. Bien. On va revenir sur le protocole, donc, sur toutes ces questions. On n'a pas regardé son corps mental. Je veux que tu vois son corps mental et toutes ses programmations limitantes, avec les croyances qui en découlent. Ce sont des programmations colorées, c'est ce qui vient. C'est-à-dire que tout ce qu'elle perçoit, c'est comme s'il y avait des filtres en fait, dans le corps mental qui sont installés à intervalles réguliers dans tout le corps mental. Ce sont des programmations de rester dans la ligne qui lui est montrée, qui lui est proposée et qui semble se dérouler naturellement devant elle. Et rester proposée, là dans cette... c'est proposé, mais il n'y a qu'un seul choix. Donc, c'est en fait imposé puisqu'il n'y a que ce choix-là. Quelles sont les croyances qu'elle a développées à partir de ces programmations, de ces filtres ? Que c'est bien le chemin qu'elle doit suivre puisque c'est le seul qui est montré, c'est le seul qui est proposé. Mais en même temps, il y a cette sensation sourde en arrière-plan que ça vient diminuer son libre arbitre. Donc, il y a comme un resserrement au niveau de ses ressentis, de ses émotions. C'est comme si tout était aspiré, diminué, cette sensation qu'elle ne s'appartient pas tout à fait. Qu'elle est comme dédiée à quelque chose, qu'elle est obligée de se dédier à ce quelque chose, et que donc elle ne s'appartient plus tout à fait. Donc ça crée une sensation de perte d'elle-même, de confusion, de perte de sensation de perte de contrôle de son propre destin, de sa propre vie. Bien. Regarde maintenant son corps émotionnel et vois toutes les émotions et les sentiments qui sont liés. Il y a de la frustration, comme si elle était derrière une vitrine et qu'elle voit passer d'autres choses. Elle le voit, mais elle est comme... il y a quelque chose lié à la loyauté. Par loyauté, elle reste derrière sa vitrine. Et elle n'a pas accès à ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, il y a de la frustration, du renoncement. Et cette sensation d'être coupée d'une partie de ses possibilités, d'une partie d'elle-même. C'est bon ? Oui. Bien. Maintenant, on va regarder ce que nous appelons les 5 blessures qui sont communes à tout humain. Les 5 blessures principales qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice.
Regarde quelles sont celles qui sont prédominantes pour elle et de quelle manière elles s'expriment. Il y a quelque chose, un couvercle qui est venu étouffer, mettre en sourdine toutes ces blessures-là. Donc elle les ressent, elle les perçoit plus qu'elle ne les ressent vraiment. Donc c'est vraiment en sourdine et en arrière-plan, et parce qu'elle reçoit les messages de son soi supérieur qui sont transmis par sa partie subliminale. Il y a ce rejet qu'elle ressent, mais d'elle-même, parce que aspirée par autre chose. C'est comme si elle était coupée en deux, en fait. Mmh. C'est comme si elle se trahissait elle-même d'une certaine façon. Et qu'elle avait consenti à abandonner une partie d'elle-même. Elle a consenti à ne pas vivre sa propre vie. Sa partie divine en ressent comme de l'injustice. Elle était là pour faire autre chose et elle a consenti à donner à laisser une partie d'elle-même aux intentions d'autres consciences. C'est comme si elle s'était perdue, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. Donc elle s'est trahie elle-même, abandonnée et rejetée elle-même. Et comment ça se traduit dans sa vie courante, toutes ces blessures? Quels sont les masques que ça lui permet de porter? Il y a une fuite de voir la réalité en face, une dépendance par rapport à des croyances, un contrôle mis sur sa vie, c'est-à-dire qu'elle-même crée sa propre prison de par ses croyances. Même si ça n'est pas agréable, puisque c'est ressenti comme une coupure d'avec elle-même, c'est comme une sorte de... C'est comme si elle maintenait cette sorte de blessure nécessaire pour se maintenir elle-même dans son propre carcan de ses propres croyances. Donc ça crée de la rigidité. Elle se maintient dans la rigidité et dans le contrôle pour ne pas dévier, pour ne pas déroger. Et pour mettre, de cette façon-là, elle met de côté son vrai moi, sa vraie nature, sa vraie essence, qui, elle, se sent rejetée. Rejetée et abandonnée et trahie. Bien. Alors maintenant, tu vas remonter aussi haut que nécessaire pour trouver l'origine, la racine mère de tout ça. Tout ça, c'est comme agrippé à elle et aussitôt étouffé pour qu'elle ne se rebelle pas au moment de la mainmise ou le contrôle. Les interférences se sont placées sur elle. Mmh. Très bien. Et maintenant, en amont? En amont, ça m'amène à cette émanation du soi supérieur qui est en train de regarder tout ce qui se passe derrière cette vitre, de regarder le jeu d'échecs derrière la vitre. Elle ressent le futur et si on se place sur une ligne de temps linéaire, mais c'est une interprétation pour faciliter la compréhension, et donc en ressentant le futur, elle vient s'y raccrocher. Donc c'est comme si le futur lui saute au visage et vient s'accrocher sur elle à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle ressent là? Elle ressent toutes ces blessures, mais de plein fouet, puisqu'il n'y a pas encore eu ce couvercle d'étouffoir qui s'est placé sur elle. Bien.
Ok. Et en amont encore? En amont encore, c'est la séparation d'avec la source, où elle commence à ressentir toutes les potentialités de ce futur probable. C'est comme des douleurs, c'est ressenti comme des pointes de douleur. Donc ça commence là déjà, elle en a la sensation là déjà. Bien, ok. Je veux que tu regardes aussi, chose importante, l'origine de ses peurs et de la culpabilité. Les peurs et la culpabilité, ça remonte à la séparation d'avec la source où elle reçoit toutes ses blessures et toutes ses émotions, toutes ses ressentis comme des douleurs qu'elle ressent en avant-garde. Donc, il y a les peurs qui se mettent en place de les ressentir et la culpabilité d'avoir accepté de les ressentir. Très bien. Alors, nous allons revenir ici et maintenant. Oui. À présent, avec toutes les compréhensions qu'elle vient d'avoir, toute la clarté de son esprit, toutes les évidences, je suppose qu'elle voit l'illusion de tous ces jeux matriciels et de toutes les conséquences et de ses propres responsabilités dans tout ce qui a pu s'en suivre. Est-ce que c'est clair pour elle? Oui. Bien. Comment est-ce qu'elle voit tout ça maintenant du point de vue supérieur? De tout ce qu'elle a vécu sur tous les plans. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est que de l'illusion auquel elle a consenti de s'immerger. Sauf qu'elle s'en était immergée tellement profondément qu'elle n'en voyait plus, elle n'en percevait plus la finalité. Et elle n'en percevait plus la nature, à savoir que c'était seulement un jeu et une illusion. Et de voir ça, qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Ça lui fait percevoir les choses d'une autre perspective, beaucoup plus calme et tranquille et détachée. Bien. Alors à partir de ça, nous allons remonter. Nous allons repartir du soi supérieur, de l'essence, pardon, de la source. Oui. Et je veux qu'elle refasse la descente, étape par étape, de la source au soi supérieur, etc., jusqu'à la physicalité. Je veux savoir comment, maintenant, elle vit chaque situation avec ce nouveau regard, cette nouvelle énergie, dans ses nouvelles perceptions des choses. Avec tranquillité, calme et facilité. Mmh. C'est simple, c'est facile, c'est fluide, c'est intéressant. Et il y a du plaisir à jouer la partie de jeu. Bien. Il suffit de trouver la bonne distance. Très bien. Donc là, on part de la source, là? Oui. Et du soi supérieur? Oui. Idem? C'est la même chose? C'est bien. Pareil. Donc jusqu'à sa partie physique ici et maintenant? Oui. Donc, elle intègre tout ça dans toutes ses parties, dans sa conscience cellulaire, dans tous ses organes, systèmes, fonctions, dans ses corps, sa conscience, ses neurones, son élémental, tout ce qui la compose dans cette physicalité et dans ses parties, ses autres parties. C'est fait. Bien, qu'est-ce qu'elle ressent maintenant, ici et maintenant? Comment se sent-elle? Elle ressent sa puissance intérieure, la sérénité, calme et tranquillité. Bien. Sa souveraineté, elle se sent dans sa liberté. Oui. Sa légitimité, son autonomie. Oui. Bien. Ok. Alors, à partir de là, maintenant, elle va remonter par toutes les existences qu'elle a eues jusqu'à la source pour réinformer chacune d'elles et revenir après dans la physicalité pour boucler la boucle. Oui. Voilà. Chacune des parties d'elle sur tous les plans sont donc réinformées dans cette nouvelle conscience, ces nouvelles énergies, ces nouveaux ressentis, avec ce recul. C'est fait. Bien. Ok, comment la vois-tu maintenant?
équilibré. Parfait. Alors à présent, on va pouvoir regarder sa nouvelle ligne de temps. Je veux savoir, d'abord son ADN. Je ne crois pas qu'elle est entourée d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, donc elle va le faire pour le protéger. C'est fait. Voilà, et tu vas me dire combien de temps il va falloir pour intégrer cette séance complètement. Entre 7 et 10 mois. 7 et 10. Alors, est-ce qu'il va y avoir des effets rapides? Qu'est-ce qui va changer? Une perception différente d'elle-même. C'est-à-dire que elle est maintenant à la... Il y a ce ressenti d'être à la bonne distance, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui lui permet de prendre du recul et de prendre des bonnes décisions. Et c'est une sensation intérieure d'équilibre et de justesse qui se met en place. Bien. Alors, est-ce que tu vois des inconforts ou dus à la métabolisation? Non, pas vraiment. Il y a comme des rappels, comme des sensations d'anxiété. C'est comme si on venait frapper à sa porte pour tenter de l'influencer. Mais elle est dans une fréquence au-dessus, donc elle constate, ça n'est pas vraiment dérangeant. Bien. En tout cas, ça sera le moment de s'en rappeler, hein, si ça a lieu, de se souvenir que c'est une tentative et qu'elle est souveraine. Bien. Alors, nous allons regarder à présent son domicile. Comment le vois-tu? Il y a l'énergie de ces entités-là qui l'entouraient. Ok. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques sous son domicile? Non, c'était lié à elle. D'accord. Donc, elle fait une grosse tornade, elle nettoie tout. Elle ne laisse rien sur tous les plans. C'est fait. Elle installe partout des fleurs de vie, des graines de vie, plaque Tesla et double lemniscate activé. Oui. Sur son compteur général, elle installe un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. Oui. Dessus, elle pose une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Elle le programme dans la stabilité et l'indestructibilité. C'est fait. Sur tous ses plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Qui va produire par ailleurs un puissant effet Niagara et régénérant avec un son et un parfum qui se modulent. Oui. Elle le programme et le stabilise en même temps. C'est fait. Sur le compteur d'eau, elle installe le dispositif qu'on ne va pas détailler. Oui. Elle remplit tout son espace de sa propre énergie. Oui. Elle le met dans une bulle christique et légalement. Et les autres occupants, s'il y en a, et s'ils le veulent. Oui. Très bien. Maintenant, nous allons programmer les protections de tous les états de conscience. Oui. Relier le début et la fin de la séance. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie dans sa version la plus courte. Oui. À l'intérieur, on y installe son élémental. Oui. Donc, toutes ces bulles d'intention et de création. Oui. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai oublié une étape. Ouf, je vais aller trop vite. Donc, ces deux bulles vont fusionner et s'expanser, pardon. Oui, c'est fait. Voilà. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. Voilà, maintenant on y installe son élémental. Mmh, c'est bon. Ses bulles d'intention et ses bulles de création.
Oui. Fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. C'est fait. Et autour le corps diamantin. Oui. Nous allons faire à présent les protections de toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin et de toute la séance du début jusqu'à la fin également, sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes les lignes du temps, tous les plans de réalité, les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. Donc sécurisation, protection pour chacune. Oui, c'est fait. Donc inviolable, indestructible, impénétrable et ininfluençable. C'est bon. Parfait. Maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il n'y a plus de dérivation maintenant. Il y a la ligne directe entre le soi supérieur et la partie physique. Et ça augmente sa propre puissance. Puisqu'il n'y a plus cette dérivation, il n'y a plus cette énergie qui a été détournée. Il n'y a plus détournement. Donc maintenant, c'est en ligne droite, directe, puissant. Est-ce qu'il y a des conseils à viser, à lui donner, ou des choses à lui dire ? De rester centrée, connectée, confiante en elle-même, et de par son intention, rester connectée à son soi supérieur. Ne plus chercher à l'extérieur d'elle-même, c'est ça ? Exact. Ne plus donner son pouvoir. Oui. Bien. Comment tu vois son âme ? Elle s'est allégée, elle s'est libérée, allégée. Elle flotte librement maintenant à côté d'elle. Et sa partie subliminale ? Elle a repris beaucoup d'énergie. Elle est au-dessus de la partie physique. Bien. Alors, ça va être la fin de la séance sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures. Et dans cette nouvelle version d'Anne-Leur, nous allons pouvoir les saluer. Et je veux que tu regardes si tout le monde a terminé le travail. Oui. Bien. Alors, chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous cet eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. C'est fait. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. L'atome mère idem. Oui. Particule de lumière mère aussi. Oui. On termine par la douche christique, or diamant et bleu. C'est fait. Bien, suivant notre propre échelle de mesure, quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle à présent ? Elle était à 70 et maintenant elle est à 168. Parfait. Donc, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Tu es prête pour le retour ? Oui. Ok. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Comment te sens-tu ? Bien. Bon, bien ancré, bien dans ton corps. Oui. Allez, à nous, Anne-Laure. Tu peux remettre le son. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Emmanuel. Comme je disais à Pascal, tu ne me connais pas, Pascal, non plus. Mais alors, il y a eu un... Et je n'ai pas pu tout dire non plus en introduction, mais... Il y a eu une foule de détails qui font partie de ma vie, sur lesquels je m'appuyais. C'est incroyable. J'ai toujours dit que j'étais électron libre. donc voilà, quand tu as décrit mes origines, en fait, c'est ça, c'est que je vole. J'ai toujours dit aussi que j'étais sur Terre en observation.
Et en fait, ça ressort comme ça. Les couleurs arc-en-ciel, c'est ce que je vois constamment, en fait. Je me suis mise à la peinture en début d'année de cette année, d'ailleurs, et mes couleurs favorites, c'est arc-en-ciel. Je n'ai jamais cru au libre-arbitre. C'était soit les portes s'ouvraient toutes seules, soit quand j'étais pas sur le bon chemin, il y avait un réaiguillage. Donc, tu as utilisé exactement ces termes-là. C'est hallucinant. L'esprit de dualité, oui, souvent je me bats avec moi-même. Et en plus, je suis du signe du Gémeaux. Donc voilà. Le chiffre 7, on le retrouve souvent. 7e dimension, on est le. Enfin bref. Ouais, ça a été vraiment époustouflant, très riche pour moi parce que ça a cassé pas mal de croyances, mais en même temps, ça m'a confortée sur le chemin que j'étais en train de suivre, c'est-à-dire vers ma libération, hein, ma souveraineté. Et les resets dont tu as parlé, mes enfants parfois me rappellent des choses, je me dis, mais je ne me souviens pas, j'étais. Enfin, je me souviens pas de cette façon-là, enfin, de comment j'étais, quoi. Donc, et t'as clairement dit qu'il y avait des pertes de mémoire, des pertes de repères. Ouais, c'est incroyable. Et tout ce que t'as décrit sur la nouvelle ligne de temps, je pense quand même que je suis sur ce chemin-là depuis quelques temps. Parce que je me sens beaucoup plus libérée. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi le message de mon père qui me demande d'être plus légère, de voilà que les choses sont plus simples que ce qu'on pense. Voilà les tentations, c'est ça. Les tentations, les rappels. Et c'est marrant, je l'ai clairement compris comme ça quand ça se présentait à ma porte. Les tentations de peur, de jalousie, et clairement j'ai remis ça en place en me disant non, c'est bon, ça j'ai déjà, je suis passée par là, c'est bon, on n'en parle plus. ouais, non, c'est, enfin voilà, c'est travail incroyable, quoi. Merci beaucoup. T'as répondu à plein de questions que je me posais depuis que je suis sur Terre. Donc voilà, et ben, merci. Hein, c'est incroyable. Tout prend son sens pour toi maintenant. Ah mais parfaitement, oui, parfaitement, c'est vraiment. Est-ce que tu as senti des choses pendant la séance? Oui, quand tu cassais les liens avec ce groupe d'êtres-là, quand tu me défaisais, je sentais que ça travaillait au niveau cardiaque, enfin au niveau du chakra cardiaque, hein, je sentais que ça travaillait là. Hein. De temps en temps, mon truc là au cou, en plus c'est marrant parce que cette douleur, je la ressens seulement depuis quelques mois. Donc, depuis, on va dire que je me suis remise avec mon mari et qu'on vit heureux maintenant, j'ai senti ce truc-là et pour moi, ça avait la forme d'un boîtier. Bon, je n'ai pas osé le dire. Hein, bon. Mais voilà, pour moi, ça avait la forme d'un boîtier et ça me titillait dès que j'étais bien. Dès que je me mets à la peinture, par exemple, eh ben, il vient me faire mal. Dès que je suis bien, voilà, il vient me titiller, me faire mal. Enfin, c'est... Bon. Donc, voilà, je suis ravie de vous avoir rencontré déjà en visu et d'avoir fait ce travail-là et de voir... Ouais. Bon, on va voir hein, d'ici un an, on va dire, ce qui va changer dans ma vie, là où je vais... Ça peut être plus court, hein, ne te mets pas de rigidité. Voilà, ça peut être beaucoup plus court, ça va dépendre de ton attitude. Hein. Voilà, si tu restes confiante, joyeuse, si tu es dans l'esprit de gratitude, d'émerveillement, de, tu vois, etc., ça peut accélérer. Quoi qu'il se passe. En fait, de prendre la vie comme un jeu, que rien n'est sérieux. Voilà, tout est illusion. Voilà. Et les règles, déjà. Et tu en tires ton parti. Voilà. Tu es une joyeuse créatrice dans ce monde, c'est ton terrain de jeu. Eh ben, il faut que j'élargisse, hein. Il faut que je sorte de mes voilà, des jalons qu'on avait fixés pour moi. Il faut que je remercie ça maintenant et que je vive mon chemin. Oui, donc tu connais mon conseil hein, de revoir ta vidéo autant que possible. Hein. C'est très important puisqu'il y a toujours de nouvelles compréhensions, les énergies sont stimulées. Enfin bon, je me répète à chaque fois, mais
Voilà, donc j'espère qu'on aura des nouvelles, hein, Eh ben par oui, SMS ou par mail. s'il y a du nouveau, je te fais signe. D'accord. Puis voilà, ben, je suis curieuse, donc j'attends de voir maintenant ce qui va me Très bien. tomber, ce qui va se passer. Voilà. Oui, bah, tout dépend de toi, hein, voilà. Si tu restes, comme j'ai dit, au point zéro, bien alignée, confiante, tout va bien se passer. Voilà, donc tu m'autorises à publier la vidéo? Oui, tu publies, mais tu me masques. Flouté, hein? Bon, c'est mieux que rien. Ok, merci à toi, merci à Emmanuel pour son excellente prestation comme d'hab. Et à bientôt pour les nouvelles. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir, merci Bonne à année toi. à vous. Au revoir. Au revoir.